la vie de Christ dans un homme. Produira les œuvres de Christ, le Saint-Esprit dans un homme. Produira un chrétien, jamais pas. Quand je veux parler au lys, il prend ma bouche. Autre, car chaque semence. À travers l'univers, nous chanterons l'amour. Nous louerons l'amour. Quand tu bénis l'un de nous, tu nous bénis tous ensemble. La main dans la main, avec la charité, nous sommes un corps. La main dans la main, avec la charité, nous marcherons partout. La main dans la main, avec l'amour. Jésus, même si j'haïssais firme, ça c'est le livre de vie, mais je sais l'intérieur de l'intérieur, mon frère, on ira au ciel. Nous voyons au bingo. Lui le commandant en chef. Le Saint de Dieu son dit, il invite son peuple élu. Vous asseoir un instant, s'il vous plaît. Je commencerai tout d'abord par vous saluer tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et aussi un profond remerciement au pasteur Firmin qui m'avait invité. Quand vous aviez des manifestations ici, wakati mulikuwa na makaramu hapa, malheureusement, je devais voyager kwa ole, mimi nilipasha kusafiri, pour aller laisser les enfants à l'école. Kwani nikaacha watoto shuleni. Et ce n'était pas possible. Na haikuwezekane. Mais je lui avais dit, lakini nilimwambiaka, comme déjà nous sommes des petits dieux, sa vile tushakuwa wa miungu kidogo. Amen. Amen. Je lui avais dit, quand je serai là, je vais venir à l'église. Et quand Dieu promet, il doit accomplir cela. Merci beaucoup, pasteur Firmin. Donc, je vous transmets aussi les salutations de mon épouse et de toute ma famille. Amen. Amen. C'est des moments comme ça où le diable vraiment a honte. Ni wakati ya hivi mwenye ibilisi anapataka haya. L'église de Dieu reconnaîtra sa position. Ndio, kanisa la Mungu itatambua tu msimamo zao. Peu importe ce que le diable fera. Aizuru ile ibilisi anaweza kufanya. Dans l'album de notre famille, il n'est pas là à l'intérieur. Mule muganda ya jamaa letu ye asinamo. C'est un étranger. Ah, il t'a muzuru kabisa. Alors, pour ne pas trop vous prendre le temps, Dieu chimichukue muda yenu. Dis à ton voisin, le pasteur Life va chanter à la fin. Mwambie jirani yako yasema pasteur Life ataimba kumwisho. Parce que au commencement, ce n'était pas les cantiques. Kwa sababu kumwanzo haiko kwake nimbo. Au commencement, c'était tout d'abord la parole. Au mwanzo ilikuwa neno tu. Est-ce que pasteur, tu me permettras que j'aie mon interprète là? On a des complicités. C'est bon, hein? Ouais, tu viens, mon cher. Ça va. Ok. Nous allons donc
Nous allons maintenant nous tenir debout et lire dans le livre de Daniel chapitre 7. Daniel chapitre 7 verset 10. Daniel chapitre 7 verset 10. Un fleuve de feu coulait et sortait de devant lui. Na bahari ya moto ilikuwa natoka na ikavuya mbele yake. Mille milliers le servaient. Elfu na maelfu ilikuwa namtumikia. Et 10 000 millions se tenaient en sa présence. Milioni kumi walisimama mbele ya wapo wake. Les juges s'assirent. Waamzi wakaka. Et les livres furent ouverts. Na vitabu vikafunguliwa. Les livres furent ouverts. Na vitabu vikafunguliwa. Prions le Seigneur. Tuombe Mungu. Bien-aimé Jésus, Mupendwa Yesu. Je te prie de pouvoir nous utiliser en ce soir. Kweli nakuomba unitumie mankaribia leo. Pour la bénédiction de ton peuple réuni ici. Kwa ajili ya baraka taifa lako wamekusanyika hapa. Bénis le pasteur Firmin. Ebu mbariki mchungaji Firmin. Bénis tous ceux qui travaillent avec lui. Na wote wanatumika naye watubarikiwe. Et bénis cette église. Pia kanisa ibarikiwe. Nous sommes dans la joie Seigneur. Bwana tunafurahi. De voir comment tu as béni tes enfants. Kwa kuona gisi gani umebariki watoto wako. Pour élever ce beau tabernacle. Juu ya kuinua na kujenga hii maskani mazuri. Et nous croyons que quand il sera dédicacé. Tunaamini wakati takapotolewa kwako. Nous viendrons pour te remercier totalement. Tutakuja na kupitia. Asante kabisa kabisa. Sois béni Seigneur. Ebu barikiwe Bwana. Quand tu bénis l'un de nous. Ukipo bariki mmoja katikati yetu. Tu nous bénis tous ensemble. Sote pamoja umetubariki. Et nous sommes dans la joie pour cela. Tunafurahi kwa ajili ya hiyo. Maintenant bénis la lecture de ta parole. Hivi sasa ubariki usome neno. Et assiste-nous en tout et pour tout. Utusaidie katika yote. Au nom de Jésus-Christ. Jina Yesu Kristo. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Mwikale. Avant de commencer ma prédication, je voulais juste dire une petite parole de frère Branham. Mbele ya kwanza mahubiri yangu nilitaka kuonyesha kitu kidogo ya neno ya ndugu Branham. A quelqu'un qui a perdu courage ce soir. Kwa mtu aliyepoteza nguvu mangaribi ya leo. Sache-le que ton Dieu est vivant. Uyue ya kwamba Mungu wako ni mzima. Non, je n'entends pas. C'est un petit amen. Je vais entendre un grand amen. Museme amina. Frère Branham dit un jour il y avait deux rouges-gorges qui discutaient. Frère Branham anasema siku moja kulikuwa wandege wawili wanaita rouge-gorge wakabishana. Ils étaient en train de discuter l'un à l'autre. Walikuwa kibishana mmoja na mwenzie. Et il y a un rouge-gorge qui a dit à l'autre. Mmoja akamwambia mwenzie. Regarde sur la terre. Ebu tazama duniani. Ces gens-là disent qu'ils sont la race la plus élevée. Hawa watu wanasema wao ni uzao ni kuwa wa juu. Et quand ils vont dans leurs églises, leurs pasteurs leur disent que leur Dieu est vivant. Wakati wanaenda makanisa zao wapastori wanawaambia Mungu wao yu hai. Mais je suis très surpris. Lakini mimi namshangao. Que ces gens-là font des AVC. Kuona watu bado wanafanya maabe, babako nakufa AVC. Ils font même des crises cardiaques. Wanapata hata malaria roho. Ils ont de belles maisons. Wana manyumba mazuri. Ils ont de belles voitures. Wana magari mazuri. Mais ils font des crises et des tensions. Lakini wanapata malaria tension. Mais nous depuis que le monde a commencé. Lakini sisi tangu dunia ni dunia. Nous avons les mêmes nids depuis l'Eden. Tuko na kisanga kile kile tangu Eden. Mais nous ne faisons pas des AVC. Wala hatuanguki tension. Amen. On n'a jamais changé les ailes. Hawaya tubadilisha mabawa. C'est le même moyen de transport. Jinsi moja moja kusafiri kwetu. Amen. Et ils ont maintenant des hammers. Walishapata magari kama mahama. Mais ils font des crises cardiaques. Lakini wanakufa. Frère, tu ne peux pas faire des crises cardiaques en 2017. Uwezi kupata malaria ya Rome 2017 jamani. Dis là où tu es jamais de la vie. Hata mara moja maishani mwangu. Ton Dieu est vivant. Mungu wako yu hai. Alléluia. Alléluia. Et tu ne mourras jamais. Kamwe hautakufa pana. Frère Branham dit la technique du diable. Frère Branham anasema mayele ya ibilisi consiste à nous faire croire que l'arme que nous avons anapenda kutuonesha tupate kuwazia sema silaha tunayo. N'est pas une arme efficace. Haiko silaha inayotosheka. Non pas qu'il mais il nous fait douter. Manake anatusukuma tushakie. De l'arme que nous détenons. Tubishe silaha ile si tuko nayo. Tu as une arme qui peut le pulvériser. Jamani uko na silaha naweza kumpeperu sana makaka. Lui te fait croire que ce que tu as ne peut rien faire. Lakini anakuaminisha useme unacho hakina nguvu. Vous savez quand il y avait la guerre. Wakati kulikuwa vita. À l'est. Kule mashariki. Il y avait des gens qu'on appelait les maimai. Kulikuwa watu walikuwa naitwa wa maimai. Ils portent des trucs. Wanavaa vitu fulani fulani mazingaombo. Et ils passent devant les FRDC.
Wanapita mbele wa Mai. Mai. Lui là le pemaka. Sasa yeye ko pala sema qui tire je ne sais pas où 100 balles par seconde. Sasa ko pala na pika minute. Masasi kama ni 100. Mais lui n'a que la machette. Yeye ana na star. Ile mazinga ombo tu. Et tu vois les FRDC qui jettent l'arme qui fuit. Askari Jessica tu pasila na kwanza mbio. Pemaka. Mais il te fait douter que ce que tu as là ne peut rien faire. Frère, nous avons un message puissant. Un message qui peut créer un autre monde. Un message qui peut changer les circonstances de ta vie. Oh my! Alors je voudrais te parler aujourd'hui dans ta vie, tu as deux livres. Les deux livres de la vie d'un chrétien. Tu as deux livres. Si tu as échoué avec l'autre livre, il y a repêchage avec l'autre livre. Si quelqu'un a échoué en 2013, si quelqu'un a échoué en 2014, si quelqu'un a échoué en 2015, 2017. Mais ce soir, nous allons ouvrir un autre livre. Et dans ce livre-là, aucun homme ne peut changer ta destinée. Oh, j'aime quand les gens disent un grand amen comme ça. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aime Branham? Il dit dans la prédication l'union invisible de l'épouse de Christ, paragraphe 157. Cela met en lumière les deux livres qui vont vous sembler mystérieux. Mais j'ai dit, frère Branham, depuis que tu es venu, il n'y a plus de mystère. Parce que tous les mystères sont révélés. Mais le livre là est mystérieux pour les pentecôtistes. Lorsque vous lirez l'exposé des sept âges de l'église, les deux livres, le livre de vie, l'un dit que votre nom, une fois inscrit, il ne sera jamais effacé. Et l'autre qu'il peut enlever votre nom du livre de vie. Ceci les met parfaitement en lumière. Je veux peut-être m'arrêter quelques minutes sur quelques notes et prendre cela avant que nous terminions. Laissez-moi lire encore Branham. Parce que c'est lui la bouche autorisée. La chair ici, c'est la chair de Branham. Moi et Firmin, nous sommes les associés de Branham. Il a établi les uns comme. Si tu es comme, c'est que tu n'es pas la réalité. Je suis comme pasteur. Il est comme pasteur. Donc il y a un véritable pasteur. Le pasteur de l'âge. William Marion Branham. William Marion Branham. Amen. Amen. Paragraphe 234, il dit. Il dit, oh là là. Oh là là. Voilà vos deux livres. Dis à ton voisin, voici nos deux livres. L'un et le livre de vie de l'agneau. Dans celui-là, votre nom est prédestiné. Il ne peut être effacé. Vous ne pouvez pas non plus l'en retirer. Parce qu'il a été prédestiné. Hey. Il a été prédestiné à y être. Mais dans les livres de vie normal, vous pouvez l'en retirer à tout moment.
Voyez-vous, si vous ne vous repentez pas, il en est de toute façon retranché. Parce que vous allez passer en jugement. Mais l'épouse ne passe pas en jugement. Elle part dans l'enlèvement. Il y a combien de livres? La Bible dit ceci. Que l'ancien des jours était assis. Et des livres furent ouvert. Quand les pentecôtistes lisent cela, ils voient beaucoup de livres. Mais quand Branham nous donne ses lunettes, quand nous réglons les choses, nous voyons que selon lui, il n'y a que deux livres. A. Point A. Deux livres. Point A. Nukta A. C'est qu'il y a la suite. Manage kuki kine kitafata. Il y a la suite. Ya kufuata ipo. Branham. 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 Non, cet homme ici, son message est tellement succulent. La communion, paragraphe 44. Communion, paragraphe 44. Ah. Lisons tous ensemble. C'est comme dans ce livre-ci. Et ce point sur lequel nous parlions, qui sont lesquels nous parlons concernant les deux vitabu hivi viwili qui sont vinakuwa hiki kimoja. Branham, jamani, Branham des livres vitabu viwili. Daniel. Daniel, parce qu'il a vu ça selon les ombres. Bwana aliandika kufuatana na binadamu. Daniel avait la vision nocturne. Daniel alionako nyaki ya usiku. Il ne voyait pas bien. Hakuwa naona vizuri. Voilà pourquoi il dit qu'il a vu deux anges qui descendaient. Bwana anasema alionako malaika wawili wakisuka. Mais quand Jean a vu la même vision, Yohana kaona onyo ile ile. Ce n'était pas la nuit. Haikukuwaka usiku tena. Il a vu ça avec la lumière du jour. Aliona na nuru ya mchana. Il a vu un seul homme qui lève la main. Mtu mmoja bila anaweka mkono wake juu. En réalité, kweli kweli, dis maintenant à ton voisin, les deux livres sont kimoja. Le livre de vie. Kitabu cha uzima. Lisons, lisons. Ebu tusome. Le premier livre de vie est apparu quand vous êtes venu au monde. Kitabu cha kwanza ni wakati unazaliwa. Je n'entends pas amen. Je croyais qu'ici on croit Branham. Quand un homme est né, commence son livre de vie. Or dans ce livre là, on peut effacer ton nom. Tu peux avoir une bénédiction. Mais ça peut être arraché. Il peut y avoir une bénédiction. Mais avec la première naissance, avec le premier livre, on peut effacer cela. Pourquoi? Parce que dans le premier livre, l'homme n'est pas encore né de nouveau. Il critique son pasteur. Il parle mal de son église. C'est pourquoi ce soir, nous allons brûler le premier livre. Amen. Amen. Oh, qu'est-ce qui se passe à l'église? Il a dit, il a fait, il a dit, il a fait. On va brûler ces livres-là. Alléluia. Branham. Branham. Votre première naissance vous apporte quoi?
Le premier livre. Kitabu hiki cha kwanza. Mais Bali. À l'intérieur de l'intérieur. Ndani ya ndani sasa. Il y a un grain. Kuko mbegu. Et ce grain là c'est quoi? Na mbegu lile ni nini? C'est ça le livre de vie de l'agneau. Cho kitabu cha uzima cha mwana kondoo. Ce grain là c'est ça la divinité. Mbegu lile ndio Mungu. Frère, tel que tu es là. Ndugu pale huko pale. Tu n'as pas été créé pour vivre seulement critiquant. Haukuumbwa tu ya kwanza kuishi na kusimanga. Tu as été créé aussi pour parler en bien. Haukuumbwa tu useme na vizuri. Alors ce soir. Leo magharibi. Ferme le vieux livre. Funga kitabu cha zamani. Tu as été créé pour être béni. Uliumbwa tu ya kubarikiwa jamani. Tu as été créé pour avoir une belle voiture. Uliumbwa tu ya kuwa na gari nzuri. C'est écrit. Imeandikiwa. Non pas dans le vieux livre. Aina kitabu cha zamani. Mais dans le nouveau livre. Ndani ya kitabu kipya. Le livre de vie de l'agneau. Kitabu cha uzima cha mwana kondoo. Et personne. Na mtu hata mmoja. Aucun sorcier en bougimai. Hata mlozi mmoja mzimai. Aucun sorcier à Kalemi. Hata mlozi wa kukalemi. Ne peut enlever cela. Crier un alléluia. Alléluia. Hey hey hey. Amen amen. En nous, il y a le mal. Mais en nous aussi, il y a le bien. Voyez. Quand on a dit qu'on ferme le vieux livre. Maintenant on est bien. Yeah. Ça c'est mon frère. Uyu ni ndugu yangu. Nous irons au ciel. Ça c'est le livre de vie de l'agneau. Et personne. Hakuna mtu. Je veux que quelqu'un dise personne. Hakuna mtu. Si tu t'attends à voir un gros livre avec des toi-même. Parce que le livre est un. Tu kimoya. Il n'y en a pas deux. Il n'y en a pas beaucoup. Mais un. Avec des compartiments différents. Est-ce que je peux lire Branham? Isome Branham. Les œuvres sont l'expression de la foi. Paragraphe 119. Fungu la 119. Amen. Ah. Pasteur. Pasteur. J'aime bien prêcher parfois avec des pasteurs eux-mêmes. Wakati napenda kuhubiri na pastori. Bien. Je lis. Les œuvres sont l'expression de la foi. Paragraphe 119. 119. C'est juste comme hier soir en parlant. Si vous prenez le livre, vous y verrez peut-être une petite confusion sur ce que j'ai dit concernant les deux livres de vie. C'est le même livre. Mais l'un d'eux concerne votre naissance naturelle. Et l'autre concerne votre naissance spirituelle. L'un conduit à l'autre. Juste comme une tige de blé. Tu es un livre de vie. Mais derrière ce livre de vie, nyuma kitabu cha uzima hiki, tu y es aussi. Pia uko, le livre de vie de l'agneau. Kitabu cha uzima cha mwana kondoo. Quand il y a une naissance, wakati kuna kuzaliwa kumoja, pour que la naissance soit complète, ili kupate kule kutosheke ukamilike, qu'est-ce que les parents font? Waache kile wazazi wanafanya nini? Ils donnent le nom. Wanakupanga jina. C'est pas ça. Sindio. Maintenant, votre nouveau nom ne vient que par la deuxième naissance. Linakuya ni wakati unazaliwa mara ya pili. Et qui ne sera pas Branham. Na ile jina itakuwa Branham hapana. Non. Hamna jamani. Le nouveau nom ce n'est pas Branham. Jina jipya haiko Branham jamani. Je n'entends pas d'amen. Sikia amina. Amen.
Frère Branham dit. Ndugu Branham unaenda sema. Il dit quoi? Anasema nini? Il dit. Anasema hivi. Que la dernière fois. Mara ya mwi où Dieu a pris un nom humain. Ambaye Mungu alichukua jina la kibinadamu. C'est avec Jésus-Christ. Ni wakati alichukua jina la Jésus-Christ. Nukta na mkato maneno inamaliza kwa jiki. Frère Branham dit. Frère Branham anasema Dieu. Mwenyezi Mungu. A un nom éternel. Eko na jina la milele. C'est Jésus-Christ. Ni Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un peut dire un amen? Sema amina. Frère Branham dit. Frère Branham wenda sema. À celui qui vaincra. Atakaye shinda. Je lui donnerai. Nitamkabidhi. Mon nom nouveau. Jina langu jipya. Et Frère Branham dit. Tena nasema. Le jour où nous allons vaincre. Siku ambayo tutakayo shinda. Nous deviendrons Madame Jésus-Christ. Tutakuwa bibi Yesu Kristo. Frère Branham dit. Anasema tena na Bibi Branham. Madame Jésus-Christ. Bibi Jésus-Christ. C'est Jésus lui-même. Ni Jésus-Christ yeye mwenyewe. Dans la chair d'un homme. Ndani ya mwili ya binadamu. Donnez-moi un amen pour Leta que je prêche. Amina hapa nihubiri. Mais laissez-moi dire encore autre chose. Wacha niseme kwa kitu kingine. Je ne sais pas si on va croire. Sijui kama wataamini. Quand je parle de Jésus. Hapa ninasemea Yesu. Je ne vois pas l'homme de Galilée. Siombe ni Mgalilaya hapana. Frère Branham dit. Frère Branham anasema hivi. Je n'adore pas Dieu Jésus là-bas en Galilée. Siamini siabudu Yesu ku Galilaya. Aujourd'hui. Leo. La parole faite de chair inakuwa mwili. Hallelujah! Hallelujah! Amen. L'union invisible. Umoja usionekane. Paragraphe 158. Nyamaza 158. Wewe mukemeshi wa bantu. Chef wa tu chilobo. Chilobo. On n'adore pas Branham. Non. Qui est Branham? Branham ni nani? Est-ce qu'il y a de l'eau à boire? Donnez-moi de l'eau à boire. Qui est Branham? Qui est Branham? Branham ni nani qui jamani? Est Branham? Uyu Branham ni nani? Tu veux connaître qui est Branham? Unataka kujua Branham ni nani? Est-ce que tu veux connaître qui est Branham? Jamani unataka kujua Branham ni nani? Qui est-il? Ni nani jamani? Dans l'histoire de la rédemption. Kumambo kuhusu ukombozi. Pasteur, bon. J'ai vu une bouteille d'eau là. Ah. Alléluia. Pasteur, c'est seulement le matériel didactique. Iki ndio kufunza nacho tu ndio naomba. Je n'ai pas demandé que le pasteur me donne la bouteille. Sikuomba mchungaji anipatie chupa. J'ai demandé de l'eau. Niliomba maji. Mais. Lakini. Pour que l'eau vienne à moi. Kwa kusema maji nifikie. Il faut une bouteille. Ilibidi chupa, chupa. Qu'est-ce que l'eau? Mai ni nini? L'eau c'est Jésus. Mai ni Yesu. Et qu'est-ce que la bouteille? Chupa ni nini? Branham. Branham. Quand on demande Jésus. Quand on alomba Yesu. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Et quand tu prends l'eau, tu avales. Ki kuisha meza maji yako. Tu mets la bouteille de côté. Chupa naweka pembeni jamani. Maintenant, pour ceux qui mangent les livres, attention parce que le liquide peut prendre la forme du récipient
qui le contient. Chombo chene kina chunga maji yale. Dieu prend la forme d'un homme. Mungu anachukuaka ali umbo ya binadamu. Branham dit. Branham wenda sema. Quand un homme est loin de Dieu. Mtu akipakwa mafuta na Mungu. Ses actions sont de Dieu. Matendo yake yanakuwa ya Mungu. Ses sentiments. Mania zake ni miwasho. Hata kofia yake. Sa veste. Koti yake. Quand tu parles mal contre lui. Ukimsemea kibaya. Tu touches Dieu. Unagusa Mungu mwenyewe. Um. 158 l'union invisible de l'épouse de Christ. Mia moja msina mnane, umoja usionekana bibi harusi. Pastor, on va brûler le vieux livre. Mchungaji, le vieux livre qui trouble les katanga. Kitabu cha zamani kile kikina. Des gens qui aiment toujours colporter, parler. Bifulani bilikwenda bilisuka. On va brûler ça. Paka tukichome. Amen. 158 l'image. Il était là. Remarquez. Tazameni. Lisons. Tusome. C'était la nature liée à la. Lisons. Tusome. Votre premier mari qui avait autorité sur vous. C'était votre nature par naissance naturelle. Naturellement. Vous aimez le monde parce que vous vivez dans le monde. Et en fait, partie, est-ce exact? Vos désirs étaient par nature d'aimer le monde dont vous êtes une partie. Vous êtes une partie de la nature. Le croyez-vous? C'est votre nature. C'est la raison pour laquelle vous devez. Vous devez. Dis à ton voisin, on doit. Tu n'as pas le choix. Ici, on ne vous demande pas votre permission. C'est la dictature. Amen. Amen. On ne dit pas, mon frère, on va voir est-ce que tu veux naître. Tu dois. Tu dois. Vous devez vous en séparer. Lazima mwachane naye. Vous devez mourir. Na lazimisha kukufa jamani. Avec le diable, il faut pas le divorce. Na ibilisi ana kukatalana tu mle kuachana. Il risque de revenir. Anaezi kukurudilia. Le mariage existe jusqu'à ce que la mort nous sépare. Ndoa inamiliki mpaka kukufa tuachane. Et pour le diable, comme lui ne va pas mourir, il sera là pour faire son travail. Sasa hataki kufa iko pale nje kuchapa kazi yake. Alors qui va mourir? Nani anapaswa kukufa? Mimi. Il n'y a pas d'amen. Sema amina. Tu dois mourir. Unalazimisha kufa. Non, je ne dis pas qu'on te mette dans le cercueil. Sema kutie kwenye sanduku hapana. Papa, parce qu'il y a tout. Oh, mais moi, je ne mourrai. Ndakufa. Moi aussi, je sais qu'on ne mourra pas. Na mimi najua kweli hatutakufa. Mais, bali. La première nature. Hiyo tabia ya kwanza kuzaliwa. Qui est liée à un mari. Inambatana na mume mmoja. C'est celle-là. Ni ile tabia qui normalement ile kabisa kweli kweli doit mourir. Ni lazima ife. Comme ça quand le diable vient chercher sa femme, ibilisi akija kumtafuta mkeye, on lui dit watamwambia Caroline qui était ici est morte déjà il y a 4 ans. Caroline alikuwa hapa alisha kukufa miaka 4 ilishapita. Il y a des esprits qui viennent de village. Kuna mapepo mchafu natokea vijijini. Tu les as laissés au village, tu as Lubumbashi en train de travailler. Uliacha vijijini kule huko hapa Lubumbashi unatumika. Ces esprits-là te poursuivent pourquoi? Zile mapepo yanakufuata kwa nini? Un démon il ne paye pas les billets d'avion. Ibilisi alipi tikiti ya ndege. Même si tu peux aller en Afrique du Sud. Hata ukaenda Afrika ya Kusini. Il ne paiera pas les visas. Yeye hatalipa visa. Il suit sa femme. Anajua atafuata. Il suit sa femme. Eko nafuata mke wake. Tu es ma femme. Wewe ni mke wangu. On est mariés. Tulisha one. Pour la vie. Juu ya maisha. Et pour la mort. Juu ya kuishi na juu ya kukufa. Alors comment arriver maintenant à mettre fin à ce mariage? Sasa utakomesha vipi ndoa hiyo jamani? Hein? Eh. Oh pasteur. Mchungaji. Chaque fois je sens mon corps. Atatrasikia mwili wangu. Il faut chercher les femmes. Il faut chercher. Kutafuta mabibi, kutafuta mabibi. Impose un. Amna.
Ça ne viendra pas par des impositions des mains. Aïta kuya kipo kutilia mkono. Amen. Ba kufa lakini. La solution. Matibabu ni nini? Mure. Mukufe kabisa. Frère Branham dit dans ce message, beaucoup de gens n'aiment pas mourir. Nabia anasema ndani ya ujumbe hii watu wengi hawataki kukufa. Nous avons beaucoup de vivants dans ce message. Tuna watu wengi bado wazima. Quand on les met dans le cercueil, wakimtia sandukuni, et que la RDC joue contre le Gabon, na DRC anacheza na Gabon, il dit ouvrez un peu mon cher. Ici il fait trop chaud. On a marqué combien de buts là-bas? Il n'est pas encore mort. Tu dois mourir. J'ai dit tu dois mourir. Frère Branham dit le football c'est le diable. Il n'y a pas d'amen. S'il n'y a pas d'amen, c'est que vous regardez. Vous êtes suspect. Frère, Yamani. Il y a des morts kuna vifo dans les cercueils. Une femme habillée en jupe courte, tu vois. Muka kivaa jupe mfupi. Mais comment est mort? Namna gani maiti kitumba? Il bouge le cou. Anatengesha shingo lake. Même la nature elle-même. Hata viumbe. Ne vous enseigne-t-elle pas qu'un mort? On peut lui faire tous les exercices. Il n'a plus de volonté. Hana na mapenzi yake binafsi. Pasteur, nous on n'était pas venus ici pour blaguer. Quand j'étais. Quand tu étais quoi? Vous savez, des gens qui parlent quand j'étais là. Vous jouez hein, parce qu'on est dans le message. Vous connaissez tout le monde ici. Tu utilises quand on était. Vous étiez où? Frère. Yamani. Un jour, le pasteur Lubanza causait avec un frère. Pasteur Lubanza, le frère, moi, quand j'étais dans le monde, hein? Lubanza est descendu. Il dit, moi quand j'étais judoka, je vais te casser. Il dit, oh non, non. Allez, dites, remets vite, remets la grâce, remets. Bon, je demande pardon, il dit. Oh. Toi, tu veux nous ramener à ce que nous étions. Il y a des gens qui sont ici, c'est Branham qui les a calmés. Hey. Attention. Passopo. Hey. Hey. Ils ont l'atmosphère branamique. Wali sako na mazingira ya kibranam. Jamani. Il y a des karatéka, des judoka. Hapa peko wa kupiga vipasi wa kuangushana chini hapa tunao. Amen. Amen. Beaucoup le mettent un peu debout. Regarde le frère là. Maître karatéka. Maître karatéka. Ceinture noire. Ceinture noire. Un jour, un frère parlait là devant moi là. Il dit, pasteur, je ne vais pas rester là trop. Parce qu'il risque de tomber. Non, 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 frère. On doit mourir. Tu n'as pas ça kukufa. Je n'utilise pas les appels près. On verra. You must. Unabidi. Quand quelqu'un ne paye pas la dîme, il n'est pas mort. Mtu asiye lipa chekumi manake hajakufa bado. Amen. Il raisonne. Bado anakuwa na mawazo mingi na fikiri. Branham eti. Branham wenda sema. La dîme là pour commencer ça ne t'appartient pas. Kwanzia hapo mbele ile chekumi sio yako hapana. Amen. Il y a pas d'amen, il y a des suspects ici. Je vais parler. Mbaka niseme. Personne ne m'a dit de dire ce que je vais dire ici. Moi-même, j'ai prié. J'avais deux prédications. J'ai dit, si le pasteur porte un habit bleu, c'était à 14h45. S'il porte le bleu, alors là, je vais prêcher sur les deux livres. Quand je l'ai vu en bleu, j'ai dit, magique. C'est le message de cette église. Ah. Donc,
Donc, Manayake, tu dois. Unalazimishwa. Remettez-moi. On n'a pas fini. La citation. 158. Oui. C'est la raison pour laquelle vous devez naître de nouveau. Vous devez vous en séparer. Vous devez mourir. À ce vieux mari. Vous ne pouvez pas vivre avec. Vous ne pouvez pas simplement dire, eh bien, je divorcerai avec lui. Et j'attendrai simplement qu'il meure. Non, mais pas de lettres de divorce. Hakuna vibarua vya kuachana ndoa. Hein? Sindio? Avec le diable, il n'y a pas de divorce. Ibilisi naye hakuna mambo ya kuacha ndoa, kukata ndoa. Prends, tu es libre de te remarier. Basi chukua mziko, una uhuru ya kwenda kuolewa tena. Le diable cherche un corps. Ibilisi anatafuta mwili. Et lui et Dieu, il cherche des corps. Bila Mungu naye anatafuta mwili. C'est pourquoi même Dieu disait à Abraham, ne suis pas ton corps. Mungu aliambia Abraham usichafule mwili wako. C'est leur richesse. Ndio kile yanatafuta. Tu me laisses. Pour devenir un bon frère. Ili uwe ndugu mzuri. Tu veux arrêter de critiquer? Unapenda kuacha kushimanga? Maintenant comment moi je vais régner? Namna gani mimi nitatawala mimi shetani? Non. Acha, amna. Il revient avec des petites idées innocentes. Anakuja na avec les jeunes gens. Ya sio shida mnene anakuwa na internet. Anakupata internet, tovuti, téléphone, simu, les films sales. Et là, c'est la cour du diable. Il te fait ibilis, la cour. Chéri, comment ton âme, ça va? Tu es joli. Oui. Wow. Vous, la nature du monde doit mourir. Toute empreinte de lui doit alama yote ya kwake lazima ife. Vous devez vous unir de nouveau à une autre nature. Munabidi kuambatana tena na tabia nyingine. Bas. Votre nom. Jina lako. De votre première nature. Ya ile tabia yako ya mkwanza. Enne et a été inscrit. Iliandikiwa dans un livre de vie. Ndani ya kitabu cha uzima. Et tous vos actes y ont été aussi inscrit. Na matendo vitendo vyako vyote waliviandika umo umo. Tout ce que vous avez fait avec cette nature a été mis dans un livre appelé livre de vie. Vyote mulivyo vifia vilifanyaka kitambo viliandikwa ndani ya kitabu. Quand tu critiques, tu crois que personne ne te voit. Unafikiria hakuna mtu mwenye anakuona. Walishaandika mwa kile kitabu. Il a fait quoi aujourd'hui? Leo alifanya nini? Il a fait quoi? Leo amefanya nini? Dans ce livre là frère, il n'y a pas de certitude. Yamandani ya mwiki kitabu amna uhakikisho. Il y a eu un homme qui partait au ciel. Kulikuwa mtu alikuwa anaenda kumbingu. Sans la nouvelle naissance. Bila kuzaliwa mara ya pili. Daniel Curie. Daniel Curie. Seigneur, ouvre-moi les esprits du ciel. Nifungulie macho. Je veux entrer. Nataka niingie. Nyamaza basi. Dieu a appuyé la cassette. Kak, kak, Mungu achukua ganda. Parce que le livre, c'est la première nature. Kitabu ni tabia ya kwanza. Dieu tire la cassette enregistreuse. Mungu achukua mganda aliyochukuliwa filamu. Tu veux entrer? Oui. Moi j'étais un bon frère. Mais je te vois. Là c'est qui ça? C'est qui ça? C'est pas ça nani, critiqueur, regarde. Seigneur, oui. Bwana, C'est moi. Uyu ni mimi kabisa. Le visage. Bon, d'ailleurs, je ne pense pas qu'il y aura des discussions parce que ça sera tellement clair. Il y a un frère en Angola qui me disait, tu connais tel pasteur? Le jour où on sera au ciel, il faut apporter des tabourets parce que son problème prendra beaucoup de temps. Sa cassette a enregistré beaucoup de choses. C'était juste pour vous faire rire. Vos actes y ont été inscrits. Rapidement, il faille bien que je termine. Merci Seigneur, merci Jésus. Frère Branham, dis-moi un peu quelque chose. Qu'est-ce que je dois devenir? Qu'est-ce que tu veux que je sois?
My, juste deux citations et on va terminer. Quotation mbili tunatua nanga. Frère Branham. Nabi Branham. Aïe, aïe, aïe. Pasteur, tu sais, il y a des choses, c'est vraiment terrible. Frère Branham dit ici, Ndugu Branham m'a panacé ma vie. L'union invisible 206. Moja aussi on est il dit pour Dieu, la vie est une chose sacrée. Quoi que Mungu maisha ni kitu. Elle est enregistrée dans Dieu. Dieu et l'autre. Croyez-vous cela? Notre vie naturelle. Une perversion. En réalité, il faudrait qu'elle corresponde à ce que la vie doit être. Au départ, mais elle est pervertie par la naissance naturelle. Lors de votre première vie ou de votre première union, à votre première naissance, vous êtes devenu participant de cette nature ici. Par un acte naturel. Un être humain naturel par une relation, un homme et une femme. Ont eu ensemble une relation sexuelle. C'est ce qui a produit votre première vie. Si cela est lié au péché, à la mort, comment vous pouvez pas voir la semence du serpent? Frère Branham, comment ne pouvez-vous pas voir la semence du serpent? Maintenant, laissez-moi vous dire quelque chose. Dis à ton voisin, nous sommes en 2017. 2017. 168, l'union invisible de l'épouse de Christ. Ça, je voudrais que nous tous nous le lisions. Frère Branham dit, comment en êtes-vous venu à faire ceci? Vous y avez été entraîné par votre premier mariage. Pourquoi vous avez commis des erreurs? C'est à cause de votre premier mariage. À cause de votre parente adultère Ève. Ce n'est pas votre faute. Dieu dit que ce n'est pas de votre faute. Si tu as commis les erreurs dans le passé, Dieu vient te dire ce soir, ce n'est pas de votre faute. Non, je n'entends pas quelqu'un dire amen. Si tu as eu des erreurs en 2014, ce n'était pas de votre faute. C'est par votre naissance naturelle. Vous êtes venu après Ève qui a commis adultère. C'est la raison pour laquelle vous êtes né adultère. Vous étiez un pécheur pour commencer. C'est vrai. Vous avez été séduit. Vous n'aviez pas. Non, ce n'est pas de votre faute. Si okosale, non. Vous ne l'avez jamais fait. Wala hamu yalifanyaka lile. Je n'entends pas quelqu'un dire amen. Sema amina. Les erreurs là. Zile makosa. Dieu dit ce soir. Leo magharibi Mungu anasema. Tu ne l'as jamais fait. Haukuyafanyaka pana. Regardez. Tazama. Mukendie là. Moukendi a injurié en 2016. Je dis Sayou. Je ne le vois pas. C'était à cause de son vieux mariage. Mais depuis qu'il a dit qu'en 2017, je ne veux plus la vieille vie. Je veux que quelque chose change dans ma vie. Cette année ici, c'est une année de bénédiction. 2017 est une année de livre de vie. De l'agneau. Je n'entends pas quelqu'un crier Alléluia. Alléluia. Cette année ici, jamani, là où c'était bloqué, que cela soit débloqué. Sasa. Là où les choses ne marchent pas, que cela marche. Mambo ili yandeke sasa. Alléluia. Alléluia. Parce qu'en vous, kwani pale, il y a le bien. En vous, yenu, il y a le souci de vivre le message. Ya kuisi mzuri. Tu aimes le message. Unapenda ujumbe. Alléluia. Amen. Dis, j'aime le message. Mimi napenda ujumbe. J'aime le prophète Branham. Napenda nabii Branham. J'aime mon pasteur. Napenda mchungaji wangu. Et j'aime sa parole. Napenda neno lake. J'aime mes frères. Napenda ndugu zangu.
C'est ça le livre de vie de l'agneau. Mais ce soir, Leo Mangaribi, au nom de Jésus Christ, Christ, nous brûlons le livre de vie. Amen. Ce n'est pas de votre faute. Haiko koko salako. Moi je dis merci. Seigneur. Ce n'est pas de ma faute. Sio kwa kukosa kwangu. Ce n'est pas de ma faute. Haiko kosa yangu. Ce n'est pas de ma faute. Haiko kosa langu. Vous ne l'avez jamais fait. Hamkufanya ke vile. Parce que. Kwa mana. Parce que. Kwa mana. Le petit germe. Ile tipuko kidogo. Qui était en vous. Iliyo kuwa ndani yenu. Devait vous représenter. Iliweza kusimamia. Quand. Wakati gani. Quand. Lini. Quand. Lini. Quand. Siku gani. Avant la fondation. Mbele ya kutia misingi. Dieu. Mungu. Mi. Akatia. Votre nom. Jina lako. Dans le livre de vie de l'agneau. Je n'entends pas quelqu'un crier Alléluia. Moi je crois. Mimi nenda na mini. C'est le temps de manifester l'autre livre. Ni wakati ya kuonyesha kitabu chetu. Là où tu n'avais pas de terrain, reçois le terrain. Pale hakuwa na kiwanda, pokea kiwanda. Là où il n'y avait pas l'argent, reçois l'argent. Fanya pesa, pokea basi pesa. Là où il y avait la malédiction. Pale palikuwa laana. Ce soir. Leo Mangaribi. Au nom de Jésus. Mutina la Yesu. Sois béni. Barikiwa. Frère Branham est dit. Ndugu Branham anasema. Frère Branham est dit. Ndugu Branham anasema. Dans Apocalypse 10. Katika Ufunuo sura ya 10. Christ descend. Christ anashuka. Avec le livre de vie de l'agneau. Kitabu cha anatoka na kitabu cha uzima. Ce sont nos corps. Ni miili yetu. Ce sont nos vies. Ni maisha zetu. Et quand Branham prêchait. Wakati Branham alikuwa anahubiri. Nos corps venaient. Miili yetu ilikuwa inakuja. Tu reçois la vie. Pokea uzima. Tu reçois la vie. Pokea uzima. Et tous les mal. Na mabaya yote. Le vieux livre. Ya kitabu cha zamani. Fermé. Tunakifunga. Maintenant. Hivi sasa. Nous ouvrons un nouveau livre. Kitabu kipya. Hallelujah. Chapitre 1. Chapitre ya kwanza. Tu seras la tête. Utakuwa kichwa. Et non la queue. Utakuwa mkia. Chapitre 2. Chapitre ya pili. Tu seras en haut. Utakuwa juu. Amen, amen, amen. Tu seras en haut. Utakuwa juu kabisa. Je n'entends pas. Sijasikia bado. Tu seras où? Utakuwa wapi? Yulu. Et non. Kwa chini hapana. Le reste va à la maison, toi-même écris maintenant. Le livre est vide. Le livre est vide. Sanctifie-toi. Laisse-les parler. Ça diminue. Consacre-toi. Ce message est puissant. Amen, amen, amen. 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 Oh là là. Paragraphe 164, l'union invisible. Petit, jette la dernière citation. Je veux que nous le lisions debout. Mettez-vous debout. L'union invisible, 164. 164. Lisez. 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 Votre vieux livre s'en est allé avec votre vieille union. Maintenant. Votre nom dans votre vieux a été transformé. Maintenant vous direz, voulez-vous me dire que mon vieux livre, Dieu l'a jeté dans la mer de l'oubli. Vous êtes parfait devant. Je prends le vieux livre. Je prends les prières qui n'étaient pas exaucées. Je prends la bénédiction qui ne venait pas. 2017. C'est un nouveau livre. Et c'est quel livre? Le livre de vie de l'agneau. Personne. Branham dit, Branham anasema, quand Dieu a béni, mtu akisi, Mungu akisi bariki, personne ne peut maudire. Mtu hawezi kulaani tena. Pasteur,
Pastor, nous sommes bénis. Tumebarikiwa kabisa. Avec le message, nous sommes bénis. Sasa. Je vais appeler ton nom. Ntakutaya pa jina yako. Je vais appeler ton nom. Ntakutaya pa jina lako. Frère Branham dit. Baba anasema, quand Christ descend avec le livre. Christ wakati anashuka na kitabu. Il ne t'appelle pas. Hakuiti. Orman Neville. Orman Neville. William Branham. William Branham. Non. Hamna la. Il jette la parole. Anatupa neno. Amen. Amen. Bon. Sas. Moi. Mimi. Si Dieu disait. Kamungu anasema. Lifoko. Lifoko. Entre. Ingia. Quel Lifoko va entrer? Baba Lifoko sinjo ingia. Parce que le nom que je porte, c'est pour mon grand-père. Le grand-père dira, pas lui, c'est moi. C'est moi le propriétaire du nom. Alors qu'est-ce que Dieu fait? Il prend mon nom. Il le met dans la parole. Alléluia. Pendant qu'on prêche, quand j'entends la parole, je dis, ça c'est moi. Alléluia. Ça c'est moi. C'est quel Ifoko a dit là. C'est moi. Ça s'accomplit. Tout celui qui est malade maintenant. Mettez cela dans le vieux livre. Maintenant reçois ta guérison. Dans le nouveau livre. Hapa ni kitabu kipya. À l'école. Souleni, tu échouais. Ulikuwa na shindwa. C'est le vieux livre. Kitabu cha zamani hicho. Maintenant. Hapa sasa. Frère. Jamani. Pasteur. Pasteur. On a des capacités. Tuko na uwezo. Qui dorme. Eneo ndani yetu. Regarde ici, il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Kile kipisina mkukwa kitu. Il n'y avait que le livre de vie. Ulikuwa kitabu cha uzima. Ici. Kama. Des païens qui se réjouissaient ici. Bapagana walikuwa na furahi hapa. Ici, ici zamani, dans cette place. Zamani hapa. Hapa. Mais des livres sont venus. Vitabu vinakuja. Amen, amen. On va transformer. Tout à Badirisia. Alléluia. Hein? Hein? Pasteur. Pasteur. Nous avons la capacité. Tuna eneo yani uweza. De secouer Lubumbashi. Ya kutikiza Lubumbashi. Ça y est là, ça y est là. Iko hapo pale kitako. Malheureusement, c'est un livre qu'on n'a pas encore commencé à exploiter. On est dans nos combats. Les vieux livres. Vitabu vya zamani, vitambu vya kitambo. Vous voyez? Naona. Il y a les autres. Il faut que venir faire quoi dans la ville? Il faut qu'on offre une mouvement. Mais voilà, cet homme a dit. Kasema, un nouveau livre. Kitabu kipya hiki. C'est un frère dans les camps. Nindugu katika kampi yetu. Il doit venir prêcher. Akuya ubiri hapa. Ça y est en nous. C'est écrit. Imeandikiwa. Et en son temps, personne mtu. Ne peut. Parce que ce qui est écrit dans le livre de vie de l'agneau, c'est écrit avec le sang. Wameandika na damu. Même si quelqu'un ne voulait pas m'aimer, hata mtu asiweze kunipenda, Dieu va le contraindre de m'aimer. Mtisha mpaka anipende. Amen. Amina. Même si hata ingawa jaillissait Firmin. Ninga ulimchukia Pastor Firmin. Ça c'est le livre de vie. Ile ni kitabu cha uzima. Mais je sais. Najua. À l'intérieur de l'intérieur. Ndani ya ndani. C'est mon frère, on ira au ciel. Ndugu yangu utaenda kumbingu. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Tufanyeje? Le vieux livre. Kitabu cha kitabu ale kule. Alléluia. Ah. 2017. Hein? Hein? Vous voulez que je jette une dernière citation? Ni tupe kotezen la mwisho. Vous voulez ça? Ni tupe. Hein? Hein? Amen awe. Amen awe. Allez réveiller Jésus, paragraphe 93. Wende mkamwamshe Yesu 93. Ça c'est des vitamines. Ini ma vitamine. Vitamine C. Vitamine C. Vitamine ciel. Vitamine mbingu. Vitamine F. Vitamine F. Vitamine la foi. Vitamine imani. Mais tu envoies nous la chose vite là. Tupa kitu tandikia kitu haraka. Paragraphe 93, allez dire à mes disciples. 93 nenda mukambie wanafunzi wangu. Hein?
Ça vient? C'est prêché en 1963. Le 3 novembre 63. Bon, j'ai lu. Watani wasome basi. Mais ce soir, Léo Mangaribi, je dirai ndasema que je l'ai vu. Nilimuona. Il a eu plus de succès. Alipata ushindi mkubwa na nikavumo. Amen. Il a eu plus de succès. Alipata kavumo mingi par les faibles efforts. Kupitia nguvu dhaifu. Que je frère, ça y est en bas, c'est la dernière citation. C'est la dernière cartouche. Ah yoi. La dernière cartouche. Risasi la mwisho kabisa. Paragraphe 93. Tisini na tatu. Il faut qu'on lise ça ensemble. Tu y sommes pas moja, il lance ma cabine. 93. Tisini na tatu. C'est pas vite, ça vient. Voilà. Ça y est là. Il est pâle. Non, c'est pas ça. Allez dire à mes disciples. 93. Allez dire à mes disciples. Ça c'est, allez, vous avez dit allez réveiller Jésus. Réveiller, allez réveiller Jésus, paragraphe. Ça c'est allez dire. Bon, je lis. Il a eu plus de succès par les faibles efforts que j'ai fournis. Eh bien, ne l'oubliez pas. Il a eu plus de succès par des efforts que j'ai fournis pour lui, par son évangile, qu'il y en a eu dans sa propre ville. Il a eu plus de succès qu'il a eu dans sa propre ville. Où il venait? Dans le dossier que je t'ai donné, peut-être c'est la dernière citation. Dans le dossier. Oh, pasteur, viens lire la chose là. J'ai fourni pour lui. Non. Je pourrais écrire des Bibles. Ah, yo, il est. Je pourrais écrire des Bibles. Niliweza kuandika Biblia. Sachant ce qu'il a fait en ces derniers jours. Kwa kujua kitu alifanya mu masiku za mwisho. En effet, il avait promis cela. Alilaka ile. Avec ce que Dieu a fait en ces derniers jours. Na hivi Mungu yuko anafanya masiku ya mwisho. On peut écrire des Bibles. Pe ma Biblia mengi. Pas une Bible. Haiko Biblia moja. Pas deux Bibles. Wala mbili. Pas trois Bibles. Haiko tatu. Des Bibles. Ma Biblia. Alléluia. Toi, tu es une Bible. Biblia. Tu es une Bible. Uko Biblia. Tu es une Bible. Uko Biblia kule. Continue à vivre. Wendele kuisi. Alléluia. Le livre est ferme. Kitabu cha zamani kimefungwa. Est-ce que quelqu'un peut crier Alléluia? Alléluia. Frère, je te dis. Nakwambia. Retiens la date d'aujourd'hui. Andika tarehe ya leo. Quelque chose de spécial. Kitu cha kipeke. Va t'arriver. Kitakufikia. Je dis quelque chose de spécial. Pasteur, Branham dit, je ne vous souhaite pas le nouvel an, mais une nouvelle année. C'est-à-dire une tournure. Alléluia. Que les choses que tu ne voyais pas hier, que tu le vois. Amen. Alors nous allons changer la face de Lubumbashi. La crise, c'est le vieux livre de vie. Maintenant la prospérité, c'est le livre de vie de l'agneau. Alors nous, les gens qui croyons le message, nous appelons la prospérité dans cette vie pour qu'on termine les églises, que les enfants de Dieu soient bénis, soient bénis là-bas, soient bénis en haut, que le Dieu de Branham vous bénisse richement. Alléluia! Alléluia! Je vais juste me reposer un peu et revenir chanter, pasteur. D'abord, musique à Kidogo. Alléluia! Alléluia! Alors que nous attendons que le pasteur revienne pour chanter, wakati tunasubiri mchungaji akue aimbe, certainement que vous avez reçu quelque chose. Mumepokea kitu kidogo. Qui croit qu'il a richement été béni? Nani anaamini kama amebarikiwa zaidi? Amen. Comme nous pouvons écrire des livres, kama tunaweza kuandika vitabu, une occasion nous est donnée, bati ayo iwe metupeo,
S'il y a un temps où un homme pouvait parler, c'est aujourd'hui. Kama kuna muda mtu alipasa kusema ni leo. Il y a une alliance. Kulikuwa agano. Frère Branham dit. Nabii anasema. Il dit ne crains point petit troupeau. Usiogope kundi kidogo. Il répète les paroles de notre Seigneur Jésus Christ. Anapituluka misema bwana wetu Yesu Kristo. Tout ce que je suis. Kyote mimi niko. Vous en êtes héritier. Wewe unakiriti. Tout mon pouvoir vous appartient. Je ne suis pas venu apporter l'échec. Mimi sikukuja kuleta kushindwa. Ni la peur. Wala oga ofu. Mais je suis venu apporter. Nimekuja kuleta. Le courage. Tudi. La capacité. Uwezo. Et l'amour. Na mapendo. Amen. Amina. Amen. 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 Sema amina. Tout mon pouvoir vous appartient. C'est à vous qu'il appartient de l'utiliser. Prononcez la parole et je l'accomplirai. C'est une alliance. Elle est infaillible. Maintenant, alléluia. C'est l'occasion où chacun de nous va prononcer la parole pour appeler les choses à l'existence. Je crois que nous sommes bénis. Je crois que nous sommes revêtus de l'autorité de la parole. L'autorité suprême. Ce que vous allez dire va se réaliser. Alléluia. C'est l'occasion où nous devons parler. Il ne faut pas pleurer. Parle. Alléluia. Pourquoi crier? Pourquoi crier, mon frère? Parle. C'est l'occasion de parler. Ne crains point, petit troupeau, à votre père, tout est bon, et vous donnez son royaume. Oh oui, ne crains point, ne crains point, petit troupeau, car votre père.
Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Nous en profitons que les diacres avancent. Amen. Amen. Seigneur Jésus, aide-moi, aide mes frères et mes sœurs à ne jamais faire de compromis avec ta parole. Seigneur Jésus, pardonne nos insuffisances, que nous soyons ramenés à notre héritage. Nous voulons être des croyants vertueux, obéissant, des croyants pleins de foi. Et je crois que tu as exaucé cette prière, car nous l'avons demandé dans le nom qui est élevé au-dessus de tous les noms, dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen.